Merci de choisir Star 21 TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Dans l'actualité de ce soir, 37 ans après le décès du président Ahmed Sékou Touré, les membres et collaborateurs du parti PDG-RDA ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran en sa mémoire. Composé de 12 membres, le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de patinage a été mis en place ce vendredi. C'était lors d'une assemblée générale élective. Plus de détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je le disais au sommaire, une cérémonie de lecture de Saint-Coran suivie d'une conférence de presse à la mémoire de feu Sékou Touré a été organisée ce 26 mars au siège du parti PDG-RDA. 37 ans après son décès, les membres et collaborateurs du premier président de la Guinée continuent à l'immortaliser. C'est un reportage de Sayoun Kamara. Décédé le 26 mars 1984 à Cleveland, aux États-Unis, Ahmed Sékou Touré est toujours dans la mémoire des Guinéens. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran a marqué le 37e anniversaire de sa disparition. Pour cet ancien collaborateur, Sékou Touré était un panafricaniste convaincu. Il a mis sur la place publique le billet guinéen, le premier franc guinéen. Qu'il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance monétaire. Il a mis sa monnaie en marche, le 1er mars 1960. Quand cela se passait, les gens le prenaient pour un homme illuminé, pour un homme qui ne sait même pas de quoi il parle. Là aujourd'hui que toute l'Afrique, 60 ans après se révolte, nous ne voulons pas d'autre monnaie sur notre territoire, sauf notre propre création. Pour ce jeune député de la 9e législature, l'ancien responsable suprême de la révolution a été une référence. Assister à cette cérémonie, parce que ce monsieur fut un grand homme. Ce monsieur fut le père de la nation. Ce monsieur mérite tôt que son âme repose en paix. Ce monsieur est une fierté pour la Guinée. Ce monsieur est une fierté pour la nation africaine de par le monde. Donc notre présence ici est tout à fait normale parce que nous aussi, nous constituons une nouvelle génération, une nouvelle génération, l'incarnation de la révolution. À cause de la pandémie liée au coronavirus, le bureau politique national du PDG-RDA n'a pas voulu une organisation grandiose à Conakry. Le secrétaire général par intérim du parti apporte des précisions. Pour toutes ces raisons de Covid-19 ou des questions de conformité à l'état d'urgence sanitaire que le gouvernement a décrété, mais évidemment, nous avons pu délocaliser dans la région de Kankan qui n'est pratiquement pas touchée par cette mesure-là, où toutes les fédérations de la Haute-Guinée, du Parti démocratique du Guinée se sont retrouvées pour commémorer la date à travers des séries de lectures de Coran, carnaval, formation idéologique et politique. 37 ans après le décès d'Ahmed Sékou Touré, l'ancien parti unique qui dirigeait n'a toujours qu'un seul député au Parlement guinéen. Un défi que compte relever la nouvelle génération pour les prochaines échéances électorales. Le PDG RDA qui a dirigé la Guinée durant 26 ans est accusé par certains d'avoir implanté une dictature en Guinée. Le président du bureau politique national de cette formation politique a dit ce vendredi 26 mars que ces allégations sont infondées. Suivez-le au micro de Sayoun Kamara. Moi, j'ai été son collaborateur et son dernier gouverneur de la région Fédération Pilote de Guinée. Alors, je l'ai connu cet homme, Ahmed Sékou Touré, responsable suprême de la révolution, suprême serviteur du peuple. Sékou Touré n'a fait que se défendre. Aujourd'hui, toute l'Afrique lui donne raison. Suivez une chaîne, Afrique Média, vous verrez tous les jours que Dieu fait, il rend hommage à Ahmed Sékou Touré. Tous les jours. Il avait raison. Mais avoir raison trop tôt correspond souvent à un destin difficile. Il a eu raison trop tôt. Les autres étaient endormis quand lui était réveillé. Il a eu des problèmes. 29 chefs d'État ont été tués parce qu'ils ont opté pour l'indépendance, le panafricanisme. Sur 69 coups d'État, Kwame Nkrumah, qui est le co-président de la République de Guinée, on l'a renversé au Ghana quand il était en visite officielle en Chine. Il en est mort, presque mort, parce qu'il était en état sénatorial. Il était en Guinée ici. C'est vous dire que l'homme n'a fait que se défendre. Vous êtes des jeunes, on vous a menti.
Mais c'est Dieu qui rend justice. Dieu rendra justice. Ce que tu as célébré en Guinée ici et dans le monde. Réunis en séance plénière lundi 22 mars 2021, des membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie ANAD disent avoir constaté des violations récurrentes des droits et libertés des citoyens. Un des responsables de l'ANAD est revenu sur cette actualité ce vendredi. Mariam Barry. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie a, dans un communiqué publié ce vendredi 26 mars 2021, dénoncé la gouvernance d'Alpha Condé. Elle dit avoir constaté avec regret et amertume la violation récurrente des droits de l'homme en Guinée. Ce membre de l'ANAD est revenu sur cette déclaration. Nous avons perdu 50 de nos militants qui ont été tués et jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune visibilité sur les auteurs, ni ils ne sont pas punis, ce sont plutôt des leaders de l'UFDG de l'ANAD qui ont été arrêtés et emprisonnés il y a maintenant plus de 4 mois. Et donc comme l'armée était réquisitionnée, n'avait rien à faire, ils ont trouvé du travail et ils ont fait beaucoup d'abus vis-à-vis de ces populations sans évaluation préalable. Sans identifier qui a des titres fonciers, qui ne l'a pas, qui a tel document et qui mérite d'être déguerpi et à quelles conditions, rien n'a été fait. Le secrétaire exécutif de l'ANAD invite les citoyens guinéens à rester mobilisés pour défendre par tous les moyens légaux leurs droits et libertés menacés par le régime d'Alpha Condé. Le travail revient à la population. S'ils prennent conscience, comme ils l'ont fait le 18 octobre, où ils se sont mobilisés massivement à plus de 105% pour voter pour l'alternance, pour Ella Seloudalin, si aujourd'hui ils veulent changer, ils peuvent changer. Nous continuons à prôner jusqu'à ce que la population elle-même prenne conscience que la solution, c'est de se mobiliser et de faire partie de l'Alpha Condé. Kéamo Bogola Haba rassure que la coalition qui a soutenu la candidature de Seloudalin Diallo à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier continuera son combat. Il prévient que la victoire de leur candidat ne sera monnayée pour ne rien au monde. Le non-respect des gestes barrières et le comportement de certains agents de la police routière préoccupent les autorités de la sécurité. Face à cette situation, des mesures strictes ont été prises. Ce vendredi, notre rédaction est allée à la rencontre du contrôleur général de la police qui est revenu sur ces mesures. Suivez ce reportage de Kadia Toubari et Ibrahima Paikama. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, l'obligation de porter le masque est instaurée. Selon général Aboubacar Kassé, des mesures ont été prises pour le respect strict de ces gestes barrières édictés par l'ANSS. Tout contrevenant à cette disposition va être soumis au paiement d'une contravention. Et au niveau de la police, des carnets ont été édictés en rapport avec le Trésor. Sous couvert du régisseur qui travaille au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, donc qui met à disposition ses carnets de contravention. Il est dit aussi que l'agent verbalisateur, non seulement il donne le reçu, et quand il constate l'infraction, il fait une notification, il délivre donc un reçu pour payer les 50 000 francs. Il est aussi revenu sur les causes des embouteillages à Conakry. Il pointe du doigt certains agents de la police routière. C'est les agents relevant de la Direction centrale de la sécurité de la police routière qui doivent travailler sur la voie publique. Parce qu'il est constaté qu'il y a des agents qui viennent des commissariats urbains, des postes de police des commissariats urbains, ou des commissariats centraux, ou certaines même des unités d'intervention, qui se retrouvent sur la voie publique et qui se livrent à ce genre de comportement que nous appelons aujourd'hui des tracasseries policières. Et en dépit de tout cela, il y a le comportement de l'agent sur la voie publique vis-à-vis de l'usager. Ce n'est pas parce qu'il porte la tenue qu'il ait dit qu'il a une supériorité entre lui et lui. Nous sommes là pour les citoyens, nous sommes là pour éviter qu'il y ait la commission d'infraction.
Le contrôleur général de police se dit inquiet quant à la détérioration des relations entre les agents de la police routière et les usagers de la route. Général Aboubacar Kassé rassure que la police est là pour protéger la population et non contre elle. Et puis cette autre actualité, une ONG de la société civile a lancé ce vendredi une enquête sur les personnes victimes de déguerpissement des encombrants des voiries publiques. Elle vise à recenser les dégâts commis lors de l'opération dans les 5 communes de Conakry et environ. Yayo Moubari et Ibrahima Khalil Sylla signent ce reportage. Après le passage du bulldozer qui a ravagé les boutiques et concessions dans la commune de Matoto, l'heure est au bilan. Des acteurs de la société civile qui ont initié cette activité reviennent sur son objectif. Le lancement a été effectué hier et nous sommes là dans la commune de Matoto, à Koya, à Dubreka, pour voir est-ce que les déguerpis là, l'État a-t-il respecté les procédures? Est-ce que ces déguerpis là seront-ils rétablis dans leurs droits? Nous, nous sommes là pour faire des enquêtes et puis élaborer les rapports et donner à qui de droit. Dans cette commune, il y a eu 250 victimes enregistrées. Ces anciens propriétaires de boutiques et de domiciles sont toujours sous le choc. Ils réclament leur rétablissement dans leurs droits. Et chez nous ici, ça n'a pas été respecté parce que la croix était sur le poteau. Et ils sont allés au-delà du poteau, vous voyez. Et tandis que... au-delà de ça, ils ont touché notre boutique et nos boutiques ont été déguerpies. Ça nous a beaucoup touché, franchement, parce que le métrage n'a pas été respecté. Et c'est ce qui est marrant dans tout ça. De la décision du président de la République, je pense quand même que sa décision, je pense qu'il va nous rétablir dans notre droit. Cette opération de recensement va s'étendre sur 4 jours. Elle touchera les communes de Ratoma, Dixine, Matam, Matoto, Dubreka et Koya. Justement, le président Alpha Condé a envisagé l'indemnisation des victimes de déguerpissement ayant les documents légaux et valables. Ce vendredi, notre reporter a rencontré certains d'entre eux. Ils sont au micro de Yaya Barry et Moustapha Diané. On est très très content d'entendre ça avec le président de la République. On est très content. On a les papiers, 7 millions les documents. On attend. Avant que la commission vienne, on va chercher à réunir tous ces papiers pour les montrer. On l'attend pour qu'il réalise ses promesses. Je suis le propriétaire du restaurant 224 qui fait face à l'aéroport international de Conakry-Besséa. Bon, nous avons vraiment acquis cette nouvelle vraiment avec les bras ouverts. Nous sommes contents. Surtout que s'ils nous demandent ce qu'ont des papiers légaux, donc je pense que vraiment ce qui s'est passé là, c'est bon et nous sommes vraiment contents. Voilà. Depuis le début de l'année 2021, une crise s'abat sur les jeunes vendeurs de friperies à Madina, le plus grand marché de la Guinée. Ce vendredi 26 mars 2021, notre reporter a fait un tour au lieu communément appelé Bordeaux où exercent ces jeunes pour s'enquérir des réalités. Alpha Omar Diallo. Ils sont nombreux ces jeunes à rallier cette partie du grand marché de Madina tous les jours. Ici, avoir un client est un parcours de combattant. Face à la crise de Covid-19, les déboussés sont rares, ce qui oblige ces vendeurs à baisser les prix au plus bas niveau. Konaté Adama explique les difficultés auxquelles il est confronté. Bon, avec l'impact qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est un truc qui nous gêne, c'est un truc qui nous touche pleinement. Parce que c'est pas facile, finir l'école, ils viennent s'arrêter ici à vendre des trucs. C'est autre chose, vous voyez. On lance une question, on lance un à propos au président Alpha Condé de venir voir si que vraiment ici c'est pas facile parce que nous les jeunes qui sont là, on se bat, c'est pourquoi? C'est pour le bien de notre famille. Comme Konaté, depuis plus de 6 ans, d'autres jeunes continuent à vendre des habits à Bordeaux. Une façon à eux d'éviter de sombrer dans l'oisiveté. Mais aujourd'hui, ils sont confrontés à la dure réalité de la cherté des prix, comme le témoigne cet autre. Tellement nous sommes là à Bordeaux, on se débrouille depuis la fin de notre cycle universitaire. On ne travaille pas, il n'y a pas de travail dans notre pays. Donc, au lieu de s'asseoir dans le quartier comme ça,
Nous préférons venir ici, cesser le petit quotidien. Nous sommes dans la galère ici. Il n'y a pas de masse. On peut faire 2 à 3 jours sans gagner même 100 000 ici. Mais nous préférons ça au lieu de faire le thé dans le quartier avec nos amis ou bien faire le grand banditisme. À quelques mètres, nous voici dans une autre boutique de vente de chaussures. Le propriétaire s'est plaint du blocage de ses marchandises au port autonome de Conakry. C'est de diminuer un peu les taxes qui ont augmenté tout dernièrement au niveau des douanes au port. Et voir aussi, penser à nous aussi, parce que là, ce n'est pas facile. Le peu que le commerce, c'est comment si nous gagnons tel ça à 150, par exemple, donc si c'est cher, ce n'est pas nous les commerçants qui vont empâter, c'est forcément le bas peuple. Parce que c'est le dernier consommateur qui va forcément payer tout cela. Et si le taxe est un peu augmenté, ce ne serait pas de notre faute. Nous aussi, on sera obligé d'augmenter un peu sur les prix. Pour nombre de citoyens, ces jeunes qui gagnent honnêtement leur vie méritent l'attention des autorités. Justement, ces jeunes en profitent pour interpeller les autorités pour la réduction des taxes. Ils sont au micro d'Alpha Omar Diallo. L'état du marché de Bordeaux aujourd'hui est assez difficile car l'accessibilité aux marchandises actuellement, c'est difficile. Et quand tu as l'accès aussi, et pour revendre encore, c'est un autre problème. Car aujourd'hui, vu la fermeture des frontières, vu le Covid-19, vu tous ces facteurs, vraiment, ça rend aujourd'hui le marché très caillou, vraiment. Actuellement, la souffrance a même dépassé les limites. C'est vraiment dur. Ce n'est plus comme avant. Ce qui était à 1 million, aujourd'hui est à 3 millions. Et ce qui était à 3 millions est devenu aujourd'hui 10 millions. Il n'y a pas de travail, on ne gagne rien. C'est le Covid-19 qui a tout envoyé. Avant ça, on disait Dieu merci. Mais actuellement, c'est très dur. Les prix ont haussé et il n'y a pas de marchandises aussi. Nous souffrons tous actuellement. Les difficultés qui sont là, on peut même pas s'expliquer quoi. Ferron et Renon. On a un manana qui est 14 ans. On a un autre qui est un mabé. L'air est un mouli. Il est un mabé. 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 Quoi va nous au moment avant la mauvaise gamme à Emma Moussoué, voilà 50 000, 100 000. Mouma que le mousse serait pas maçonnant. Moufana Béalo Mouna Aventir. Toujours à l'intérieur du pays, une maison et son contenu sont partis en fumée suite à un incendie survenu ce vendredi au quartier Bordeaux dans la commune urbaine de Cancan. Le point avec Abdoulaye Koyasila. C'est aux environs de 7 heures que le feu s'est déclaré dans cette maison située à quelques pas de l'école primaire Bordeaux 2. Au moment des faits, il n'y avait ni courant DDZ, encore moins des panneaux solaires allumés. C'est la tristesse et la consternation chez les victimes. En venant sur la moto, j'ai vu la fumée sur les toiles de la maison. Mais je pensais que la fumée quittait chez les voisins. J'ai continué mon travail. C'est la belle fille de ma patronne qui est rentrée dans la chambre et elle est venue me dire que la maison a pris feu. Je suis rentrée et j'ai commencé à taper sa porte. Je n'ai pu l'ouvrir. Directement, j'ai crié au feu. Les gens sont venus et j'ai pris un taxi pour aller informer ma patronne dans son bar. La propriétaire de la maison qui était absente au moment du brasier dit avoir perdu une importante somme d'argent. J'étais dans mon bar. C'est ma bonne qui m'a informé que ma maison a pris feu. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est une maison de 4 chambres et salons. J'ai perdu tout dans cet incendie. L'armoire, les lits, coiffeuse, les extraits de naissance de mes enfants, mes papiers importants et l'argent d'une amie à hauteur de 16 millions de francs. C'est aujourd'hui que je devais lui donner l'argent. Les sapeurs-pompiers, comme à leur habitude, sont arrivés en retard pour éteindre les flammes. La victime lance un message de soutien à l'endroit des personnes de bonne volonté.
Dernier virage de cette édition d'information, l'Assemblée générale élective du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de patinage s'est tenue ce vendredi 26 mars 2021 à Conakry. Un bureau exécutif de 12 membres a été mis en place. C'est un compte-rendu de Mohamed Saliou Diallo et Moustapha Diani. À l'issue de cette élection, la Fédération guinéenne de patinage s'est dotée d'un nouveau bureau. Il est composé de 12 membres, dont 5 femmes. Le président lui projette ses ambitions. Nous vous promettons de mener à bon port cette fédération au titre de la gloire. Mesdames et messieurs, je suis ragaillardi de votre disponibilité et de votre confiance et nous vous promettons la bonne gouvernance et de bons projets pour notre fédération. Et nous rassurons le ministère d'État des Sports que nous ferons en sorte que cette confiance qui est placée à cette fédération et à ma modeste personne et à mon équipe, qu'elle réponde aux attentes et des ambitions du ministère en charge des Sports. Les membres statutaires ont aussi validé les rapports financiers d'activité et les statuts. Le directeur technique national adjoint des sports invite le nouveau bureau au travail. Vous devez travailler avec tous les acteurs, à savoir des ligues, des clubs et autres structures. Vous devrez renforcer vos liens d'amitié et de fraternité. Car sans la cohésion sociale, sans la compréhension, sans la paix entre vous, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Le patinage guinéen doit continuer à envoyer à notre pays des médailles et des trophées comme vous l'avez l'habitude de le faire. Sur ces mots de satisfaction et d'encouragement, que je déclare clos les travaux du congrès électif de la Fédération guinéenne de patinage et j'installe dans les fonctions respectives les membres du nouveau bureau. Ce nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de patinage est élu pour un mandat de 4 ans. Reste à savoir si les ambitions affichées par la nouvelle équipe seront réalisées. Toujours sport, la Fédération guinéenne de basketball a dressé ce vendredi son bilan annuel. Les perspectives ont également été définies pour les prochaines années à l'occasion d'une conférence de presse. Ibrahima Diallo pour le compte-rendu. Élue le 20 mars 2020, l'équipe de la Fédération guinéenne de basketball a conféré avec les médias dans la salle des sports du stade du 28 septembre. Le bilan des activités de 2020 a été présenté. A commencé par le Skill Challenge. Cet été, la Guinée a été numéro 1 en Afrique et est partie défier le monde et a fini numéro 3 mondial en battant l'Australie, en battant l'Italie, en battant le Portugal, en battant l'Espagne. Donc quand vous avez un pays africain qui arrive 3e du monde sur une génération qui, à mon avis, sera peut-être une des meilleures au monde dans quelques années, c'est un exploit. Depuis 1961, la Guinée est affiliée à la FIBA et on a gagné pour la première fois cette compétition, donc on n'a gagné aucune compétition mondiale. Et c'est vraiment quelque chose d'important et qui signe aujourd'hui le développement et le travail de la Fédération guinéenne de basket. Sakuba Keita dit que c'est une première pour une fédération d'avoir 4 Coupes d'Afrique des Nations à jouer. À moins de 3 mois. Nous sommes 4e en Afrique en U16, nous sommes 4e en Afrique en U18. Chez les dames, nous faisons partie des meilleures nations. Chez les seniors encore, nous sommes dans le top 16. Nous sommes encore qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations U16, hommes et dames, qui vont se jouer encore en juillet. La Guinée va jouer encore en août l'Afro-Basket senior. Et en septembre encore, vous avez l'Afro-Basket des dames. Donc je dis, qui dit mieux ? Nous sommes la seule fédération qui a 4 Coupes d'Afrique des Nations à jouer en moins de 3 mois en fin d'année. L'équipe nationale de basketball prendra part à l'Afro-Basket à Kigali du 24 au 5 septembre 2021. Cette conférence de presse a pris fin par la remise des médailles et du trophée pour la 3e place obtenue par la Guinée lors du Challenge mondial de basketball. Avant de boucler ce journal, nous vous invitons à suivre le reportage grand format sur l'incendie à l'abbaye signé Sampirin Diallo. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.